Bien fait. Bah maintenant le jeu me pisse dessus. Tiens. Voilà. Non, item room premier étage, c'était déjà le cas. Hein. Double lock up. C'est pas son envisagé. L'item room était déjà ouverte, c'est le shop qu'ils ont ouvert maintenant. Parce que, bah en fait, ça enlève une partie de la RNG. Parce qu'avant, il fallait, pour que le shop soit utile au premier étage. Ok, ok, ça se start. Ok, c'est bon, on a un item de départ. Avant, pour que le shop soit utile au premier étage, il fallait et une clé et des pièces. Et c'était très très rare qu'il soit utile. C'était très rare que tu ouvres le shop. Alors que maintenant, bah, si t'es à la recherche d'une clé, bah, tu peux aller au shop et tu peux l'avoir. Parce que, certes, 15 pièces, c'est pas souvent au premier étage. Mais 5 pièces, par contre, c'est plus commun. Et justement, du fait qu'on ait besoin d'une clé en plus pour aller à l'étage parallèle, le fait qu'ils aient ouvert le shop, c'est cool. Black Candle, ce serait bien. Black Candle, ce serait bien. Les câbles, c'est pas fou. GG, Scatman. Smatman. Allez, première run, elles sont satisfaisantes. Tu verras la première fois que tu vas arriver à Isaac ou à Blue Baby, tu vas paniquer, mais c'est tellement satisfaisant la première fois que tu tombes. Pareil pour Mega Satan, Delirium et compagnie. Hein. Ah, faut que je m'applique un peu. J'arrête de jouer au sac là. On va s'appliquer un peu. C'est quoi, mais c'est les Sailor qui ont moins de chances de drop de clé de bombe ou c'est juste moi qui me fais chier dessus par le jeu? Et j'ai une bombe. Donc j'aurai pas le. C'était quoi déjà? Oui, Black Candle. Après, Black Candle est pas obligatoire. Two of Meats, bah, pas fou. Pas fou, mais on prend, écoutez, c'est un peu de protection. Par contre, la clé, on se la fout dans le cul, hein. Mais, tant pis. Ok. Secret. Avec une seule bombe, non. Non, je voulais pas chercher. Ah! La bibliothèque, elle est là. Donc priorité bibliothèque par rapport à item room. Hein. Et si j'ai qu'une clé, fuck it, bibliothèque quand même. Et on va faire la bête. On fait pas Mother. Ah par contre c'est fou là, 3 bibliothèques ultra vite. Bon j'ai beaucoup reset mais quand même. Merde. Alors j'ai cette pièce, oui, bon pour la clé. Mais le shop il coûte une clé pour y accéder. Donc comment dire. Ah oui, tu parlais de l'étage d'avant peut-être. Ah, une clé. Une clé. Ok. Bibliothèque. La bibliothèque. Voyons voir. Ah, elle est belle. Par contre, on a aucun bouquin de vol. Bah, il va me falloir des clés, hein. Encore. Il y a ni la Bible, ni auto jump, quoi. La satanique, je l'utilise pas maintenant parce qu'on veut pas que le boss on veut pas faire de pacte avec le boss. Ça me coûte 3 coeurs donc c'est trop cher.
Et on prendra, si on peut, on prendra le Book of Revelations qui donne des cœurs bleus. Et pour ça, faut-il avoir une clé encore. Une deuxième clé. Donc là, idéalement, en fait, on a encore trois clés qui tombent. C'est chaud, hein, mais... Oh, par contre, il y a du pognon. Il y a un sacré paquet de pognon. Non, 3, 4 clés idéalement. 5 clés même. 5 clés pour le shop. C'est la dernière salle. Donc, dans le cul. Après, il y a aussi une possibilité d'une bombe, peut-être. Qui peut peut-être nous ouvrir soit le shop, soit l'item room. Non, le shop, c'est mort. L'item room, c'est possible. Non, mais en vrai, ce serait vraiment bien une clé, là. Juste une clé, comme ça, on devient beaucoup armes. Et on va faire la bête. On va faire la bête avec beaucoup d'armes et Book of Revelations. Et résultat. Fuck! Zéro drop. Incroyable. Incroyable. Attendez, j'ai une clé. Elle vient d'où cette clé? Elle vient d'où la clé que j'ai sur moi là? Attendez, on va aller faire le boss déjà. Ah si, il reste une salle en haut. Il reste une salle en haut. Il vient d'où la clé que j'ai sur moi? Ah nice! Ok, on est beaucoup armes. Incroyable. Je l'ai chopé. Il y a deux salles, ok. C'est bon, j'ai le beaucoup armes. On skip l'item room et on va faire la bête. Du coup, on s'en fout. Si, de toute façon, faut que j'aille faire le boss avant. Dans tous les cas, faut que j'aille faire le boss avant, parce que je veux pas un deuxième cube of meat. Y'a pas la Bible. Si ? Y'a pas la Bible. Ou je suis juste... Ah, y'a pas la Bible. Dans l'ordre, de gauche à droite, de haut en bas, Book of Revelation, Anarchy Cookbook... Necronomicon, je sais plus comment il s'appelle. En haut à gauche, c'est le Book of Revelation, celui qui donne un cœur bleu et qui fait spawner justement un Cube of Meat, enfin un Cavalier de l'Apocalypse. Du coup, c'est pour ça que je vais aller faire le boss avant. Je vais faire le boss et ensuite j'utilise Satanic Bible et ensuite Book of Belial. Merci, dernier. Parce que là voilà, comme ça on a un Gemini, on a un item random. Parce que si j'avais utilisé la Satanic Bible, l'item random m'aurait coûté 3 cœurs. Alors, ça aurait été un cœur, un item de Devil Deal, certes, mais ça m'aurait mis à 1 cœur. Enfin, même pas, ça m'aurait mis à 0 cœur. Mais je me comprends. Donc, le collier, ok. Et du coup, si j'avais utilisé le Book of Revelations qui donne un cœur bleu, ça m'aurait donné, probablement, c'est des fortes probabilités, mais c'est pas 100%. Probablement que ça m'aurait donné un cavalier de l'apocalypse et donc un deuxième Meat Boy. Et j'en veux pas du deuxième Meat Boy. Ok, Bookworm, et du coup, Book of Revelations, voilà, un cœur bleu. Donc on est bien comme ça. On est bien comme ça. Et donc on va à la bête. Et on n'a pas besoin de poser de trinket pour remonter. Et en plus l'avantage c'est qu'on laisse l'item room. Donc il faudra juste qu'on pense à aller voir l'item room. Mais l'item room on va pouvoir la choper à la remontée. Et en plus... Là on a augmenté nos chances de planétarium. On est à 21% de chance de planétarium là. Donc à la limite, on va laisser également, vu que là le build est correct, on a 6-15 de dégâts, une bonne cadence de tir et beaucoup d'armes. On va laisser cet item aussi là, pour passer à 41% de chance de planétarium. Et en vrai, on va ouvrir aucun, on va clear tous les étages, mais on va ouvrir aucun item room tant qu'on n'a pas un planétarium. Item room à la remontée, ce sont les mêmes objets, oui. Oui, oui. Du coup, si tu laisses un objet, si tu ouvres une item room, que tu laisses un objet dedans, ce sera le même objet à la remontée. J'ai pas de clé.
Ouais, là on a un bon start. D'où le fait de pouvoir se permettre de laisser les items en main. Ok. Toujours pas de clé, hein, par contre. Le jeu, jusqu'au bout, il va m'emmerder. Putain, je me fais bourrer pour comme un con. Pour rien en plus. Les petits câbles là, on se les fout au cul parce qu'on vole pas. Oh, vertu de la secrète, merci. Il reste qui? Ah. J'utilise pas le bouquin encore. Ouais. Ah, mais oui, on l'a pas touché. On l'a pas touché, du coup, il peut rip-up. Et de nouveau, hein, j'utilise pas le bouquin pour pas avoir un cavalier de l'apocalypse. Je perds quelques charges, mais c'est pas grave. Bon, je vais aller faire le boss, écoutez. Je vais aller faire le boss, quoique... Non, si je trouve une clé, je vais au shop. Et si je vais au shop, je bombe le mendiant. Si je bombe le mendiant, 10% de chance de VD en plus. Oui, le secret Meat Boy, oui, je l'ai eu avec... avec l'hélice en green mode. Trop facile avec l'hélice de l'avoir. Non, je crois pas que ce soit 100%. Je sais plus la probabilité. Mais c'est un bon 60-70%, je pense au moins. Machine à don? Comment ça, machine à don? Ah, pour les sous? Non, 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 je vais finir de clear d'abord. Ah, bah on a un planétarium. Bah, fuck, on a pas de clé. Oh non, t'es sérieux? Pas, me dis pas que je vais pas avoir de clé. Hein. Oh, mais c'est incroyable. Machine à don, hein, du coup. Go. Donc il me faut. Donc là, vu qu'on a un planétarium, il n'y en a pas d'autres. Donc si on peut faire les témoins, on l'a fait. Mais planétarium en prio. Ouais, attention. Est-ce qu'on en parle de du foutage du gueule, de la gueule de, du foutage de gueule du jeu? Sérieux. Au bout d'un moment, le jeu a décidé de plus rien donner en fait. Et là-dedans. Ouais, un cœur bleu. Si on n'a pas la God Room et qu'on n'a pas de clé, j'arrête le stream. Et je vais manger. Je vais aller m'acheter une bonne pizza. Ah merde, il est 20h. Chaud de sortir à 20h. Généralement, je vais m'acheter ma pizza à 3h du mat. 20h, c'est un peu chaud, couvre-feu et tout. Là. Ah, ça aurait pu me donner une carte justice, mais bon, hé. Non, mais si le jeu il ne veut pas me donner une seule clé, il m'en donnera pas, hein. Me faire livrer à Rollbram dans ma campagne. Ouais, mais dans ce cas, il faut que je commande au chasseur. Vas-y, il y a encore éventuellement la Cursed. La Cursed Room. C'est 19h le couvre-feu. C'est pas tatouille. En France, partout en France. Quoi, Actares? Allez, on a 8 milliards de cœurs. Pas une seule clé. Bon, après, peut-être qu'en remontant, le planétarium est encore là. Ah, c'est pour ça que je... Ah oui, non, oh, alors, t'inquiète. Alors, premièrement, personne ne sait où j'habite. Avec Thérèse.
Et deuxièmement, délation sans preuve. Si la map change. La challenge. Mais la challenge, c'est un coffre rouge. C'est un coffre doré, je peux pas l'ouvrir. Je peux pas l'ouvrir. Là, je peux rien faire d'autre. Rien faire d'autre. Parce qu'en fait, c'est pas vrai, j'ai pas acheté ma pizza à 3h du matin. Je dis ça pour frimer. Non, non, mais dans tous les cas. Délation. Ils peuvent y aller, hein, ils peuvent y aller. Je suis pas sous serment, je dis ce que je veux, donc. Ça n'a aucune. Puissance, aucune. Aucun poids juridique là, ce que je vous dis. Donc, si vraiment quelqu'un veut balancer. Il rompt le couvre-feu. Qui s'amuse. Ça m'étonnerait franchement que les flics ils viennent pour me coller une amende. C'est quoi? C'est 135 euros? Non, c'est 300 euros maintenant. Tu viens de me coller une amende de 300 euros sans preuve. Ah, c'est ce que j'ai en fait, Rollbram. Chez moi, j'ai un distributeur de pizza. Les pizzas sont super bonnes. Mais le distributeur est à 1 km à peu près, 700 mètres. Donc la probabilité de croiser des flics est faible. En plus, ça va être, si je croise des flics, ça va être des flics de campagne. Donc je leur dis, écoutez, je travaille en télétravail. Je viens de bosser, j'avais rien à manger chez moi, voilà. En plus, c'est vrai, j'ai plus rien à bouffer. Je vais faire les courses demain. Encore masse de pognon. J'ai une clé. Ah, super, j'ai une clé. J'ai une clé, incroyable. C'est où ça, basement? Non, c'est à cave 1. À cave 1 qu'on a laissé le... Face up, ça c'est très cool. C'est à cave 1 que nous avons laissé le planétarium. Donc si on remonte, ce qui est le plan, hein, si on arrive à remonter, si j'ai pas racheté d'ici là, on verra si le planétarium reste également tout comme l'item room. J'ai des doutes, je vous avoue, mais... Bombe les pièces, maybe. Ouais, on verra. Ça que j'ai pas tilté que j'avais 10 bombes en fait, donc go. Allez, bien. Très bien. On a le shop, on va ouvrir le shop, hein. 25 pièces. Item room, toujours on les fait à la remontée. Ah putain! Jusqu'au bout, hein. Aucune idée, je sais pas du tout, Ryan. Je sais pas du tout ça. Mais je pense pas. Je pense que là on est retombé à 0%, il peut plus y avoir de planétarium, je pense. On skip l'item room, j'ai qu'une clé. Aïe. Ah oui, le sac, oui, c'est vrai que je peux acheter le sac. Je vais y retourner. Allez, la god room d'une vie là. La god room d'une vie. Genre. Sacré d'art. La godette n'est pas débloquée, donc sacré d'art. La candle, c'est très cool. La candle, c'est très cool. Ouais, pour la candle. Nice. Deux clés, c'est cool. Ok, on va clear juste encore quelques salles pour le bouquin, éventuellement. Et là, on peut la faire, l'item room. On va la faire. Maintenant on a des clefs. Aïe!
Aïe, ah, patate. Item rendu, parfait. Ça m'a tout ouvert sauf la clé. Super. Lil Chest, je sais pas, ça fait quoi Lil Chest? Ça nous fait des spawns des pickables? Je fais encore deux salles peut-être pour recharger le bouquin. J'ai l'arcade aussi. File-moi le Lucky Foot. Non. Nul. Pilule. Health up. Health up. Acceptable. Acceptable. Encore une salle ou pas? Yes. Encore une derrière, comme ça j'utilise le bouquin à cet âge et pas au prochain. Lucky Penny, nice. Mais oui, j'ai déjà deux de luck et je passe à trois là. Oh, pas cette salle. Pas cette salle. Et j'ai tout tiré à côté. Une salle de merde celle-là. Elle est insupportable. Ok, ça passe. Nickel. Ok, bon, étage suivant. Let's go. On peut remonter par ici, peut-être. Pilule, non, Osef. On peut remonter par là, ouais. Non, pas ici. Là, on a un début de build, hein, quand même. La candle, le nail shot. Ouais, c'est tout. Candle, nail shot. Binky aussi pour du tears up. C'est un tout petit début de build. Shop. Et le boss est là. Yes. Et des PV. Et une carte Magician qui va être utile. Si on peut la garder jusqu'à Beast, ça peut être bien. Ça, c'est zéro par contre. C'est vraiment zéro ça. Ah, ça doit être le chest là qui m'a filé la trinket. En fait, le nil shot avec son knockback, c'est vachement intéressant sur les cavaliers de l'apocalypse de The Beast. Parce que on peut les empêcher d'arriver dans l'écran au début. Et plus on les empêche longtemps, plus on retarde la première attaque. Ça m'était arrivé quand on avait je sais plus quoi. Mais du coup, ils attaquaient beaucoup plus tard. Bon, on était mort quand même parce qu'on avait eu un build de pourri à côté, on avait zéro de dégâts. Ah oui, on avait les points, c'est ça, on avait les points et on avait Soy Milk, je crois. Et du coup, ils sont restés, les cavaliers de l'apocalypse restaient vraiment longtemps hors de l'écran et du coup, ils attaquaient pas. Petit exploit sympathique. Et là, ma cadence de tir elle est bonne avec la flamme full. Cadence de tir pas mal du tout. Oh, Vurp. Health up. Ok, pas pour le moment. Mais si, je suis con, je peux pas la garder, elle sub. Je peux pas la garder si je garde Magician. Aïe, non. Fuck. Allez, on perd 2 de tir rate, hein. 2 larmes de moins par seconde, ça fait beaucoup de se faire toucher. Oh, encore un Lucky. Norus. Ici, on a quoi? Health down. Bon, bah voilà, la health sub, elle sera très bien. Faites défi All Cursed Room. Si, il y a un défi où toutes les curses... Mais je l'ai déjà fait, il est pas très dur. Où toutes les salles ont des picots, ouais. Et tu joues Maggie avec pas mal de PV et le Hume Heart. Je l'ai fait, tu vas jusqu'à moi, mais il est vraiment pas très dur hein, comme défi.
Vu le pognon qu'on a, si je drop pas de clé, on va de nouveau pas y ouvrir d'item room pour le moment. On va plutôt profiter pour le shop. Par contre, au bout d'un moment, il va quand même falloir les trouver, hein, les clés pour ouvrir les item rooms. Parce qu'à la remontée, les item rooms, elles sont quand même fermées. Hein. J'utilise pas le bouquin pour pas faire spawner un cavalier de l'apocalypse. Parce que quand tu utilises le bouquin, il me semble pas que ce soit 100%, mais t'as de fortes probabilités que le boss de fin, le boss de l'étage soit un cavalier de l'apocalypse. Et du coup, je veux pas de cube of meat. Déjà, j'en ai un. Mais comme Cube of Meat est vachement moins bon qu'avant, du coup je veux pas. Je préfère la récompense normale du boss. Donc le cavalier de l'apocalypse, le bouquin je l'utilise à l'entrée du boss. Alors je pourrais aller faire le boss maintenant, mais je préfère perdre des charges sur mon bouquin et bomber un mendiant pour avoir plus de chances de Godroom. Ok. Deux comme ça, saleté. Cet étage, il est où le shop là? Là. Ah, mais j'ai 5 clés! Ah! 5 clés, ça commence à devenir bien. 2 clés de plus. Même ski, très bien. Voilà, comme ça. Ouais, bon, j'ai pas gagné beaucoup, hein, 2%, mais. Ça va, je peux up. Shot speed aussi. Ok, bah du coup, on a 11 bombes secrètes ici, peut-être. Oui, nice. Sun. Sun, pas très utile ça avec bleu bébé. Magician. Utile pour mapping, mais pas pour le heal. Je sais qu'avant c'était 100%, sauf si tu avais déjà eu un cavalier dans le duo d'étage. Ou si c'est un boss fixe. Ouais, ça n'a pas dû changer alors. Ça n'a pas dû changer. Je vois pas de raison pour qu'ils aient changé ça. Oui, du dégât, mais pas beaucoup. Magician va être meilleur en fait. Salut! Ah, mais je suis con, j'étais full life. Couillon. J'ai utilisé le bouquin quand même, c'est pas grave. Ah, version. Ouais, il tire des larmes au Ming, attention. Ah, version noire. Il tire des larmes au Ming. Mais bon. Et sauf erreur avec le nail shot. Non. Si, je peux quand même le toucher. Ah non. Mais des fois, je peux lui faire faire demi-tour surtout. Avec le nail shot. Ok, avant, on pouvait lui faire faire demi-tour. Ouais, voilà. Ça reste de la merde, hein, mais... Arrête, arrête, arrête! Aïe, non, ma flamme. Vas-y, meurs. Meurs! Meurs, merci. Et pas de Godroom, mais bon, là, c'était pas... C'est pas grave. On a gagné l'arène, je sais bien. Et une petite clé. Ok, bon, étage terminé. Que cette game dure depuis une heure. Est-ce que vraiment beaucoup plus long de progresser à travers les niveaux depuis le DLC ou bien tu prends plus ton temps? Ah non, elle dure pas depuis une heure, c'est juste Captain qu'on fait plus une prédiction par run. Là, elle dure depuis 27 minutes. Et j'ai pris mon temps. Mais oui, oui, le... Ah, quoique non, sur les étages normaux, non, c'est pas beaucoup plus long. Ça n'a pas changé sur les étages normaux.
C'est juste que là, cette run-là, le jeu me chie dessus. Du coup, j'ai bien clean tous les étages pour essayer de trouver mes clés. Ce que j'ai galéré à faire. Non, c'est pas ici. Ici. Je vais poser ça là. Parce qu'on veut la carte full qui est là. Bonne nuit, Kiki. Non, bonne nuit, Dreamer. Bonne nuit, Dreamer. Ici, à cet âge, je peux utiliser le bouquin. À partir de maintenant, je peux utiliser le bouquin dès qu'il est chargé. Parce que ici, c'est boss fixe. Et après, il n'y a plus de boss. Missing page, on s'en fout. Quoique missing page peut être pas mal. On n'a plus spécialement besoin de... Je vais finir l'étage. Attendre que le... Ici ma God Room pop, hein, elle va popper à 50%. Oh, Zyrmite, yes. Le coupon, est-ce qu'on a besoin du coupon? Je peux prendre le coupon au cas où c'est un Devil Deal qui s'ouvre. Ce livre, il donne un cœur bleu quand je l'utilise. Je vais prendre le coupon jusqu'au boss et après on reviendra. Attendez, je perds en probat Devil Deal Ah, il donne des probas de God Room aussi, je savais pas. Ah bah non, pas de coupon du coup, tant pis. Pas de coupon. Aïe. Ah non, ma flamme. HP up, luck down. Oh, dommage. J'avais déjà beaucoup de luck, c'était bien. Après, on a absolument rien qui proc sur la luck actuellement. 3 de luck et rien sur la luck, super. Ok, on a le boss. On va le faire de suite. Hein. Ah non, j'ai pas ma carte. J'ai pas ma carte. Je vais chercher The Fool. Ah, The Fool qui est juste là. Allez, 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 on fait pas des masses de dégâts, hein. On fait pas des masses de dégâts. Mais ça peut être long, hein. Aïe, je me fais mourir en plus. Étonnamment, on fait pas des masses de dégâts, d'ailleurs. Parce que pourtant, les stats sont bonnes, hein. Ah, mais je fais n'importe quoi. Merci. God Room, yes. God Room, excellent. Alors, je sais plus ce que c'est ça. C'est Tears Up et on se fait pardonner par... ouais, c'est ça, Tears Up, You Feel Forgiven. Ça, en gros, en fait, c'est si on avait plus de probas de God Room, parce qu'on avait pris un Devil Deal, on aurait de nouveau des probas de God Room. Mais du coup, je sais pas comment on est censé l'avoir, vu qu'on l'a dans les God Room. À part peut-être en sacrifice. C'est pas fou. Mais on a eu un tears up, j'ai pas vu si c'était un gros tears up ou pas. Difficile à savoir avec le collier. C'est Jesus. Plus 1.2 1.02. Oh, correct. Correct. On a pas eu l'item room. On va trouver l'item room. Elle est là. Trouver l'item room. Shield de tir, c'est pas mal, on a une bonne cadence de tir, c'est cool ça. C'est cool, c'est cool. On a même une très bonne cadence de tir, donc oui. Certainement.
Est-ce qu'on a besoin de clients encore? On a eu le shop. On n'a pas eu la secret. On peut chercher la secret vite fait. Non. Ah, j'ai pas des milliards de bombes. Bon, faut que je vérifie avant. Ici, c'est possible. Ok, trouvé. Ouais, ok, ouais, bah oui, file-moi du pognon. File-moi du pognon, j'ai encore un shop qui arrive. Ou du 50%, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, le pognon aurait été meilleur, je pense. Parce que le pognon peut me servir également sur les mendiants. Du coup, ouais, à partir de maintenant, on va prendre ça. Bonjour, vas-y, je vais payer le mendiant. Ah non, non, pour aussi aller. Clé, c'est gentil. Lucky Foot, voilà, je l'ai réclamé, je l'ai. Plus que des bonnes pilules et un plus en luck. Non, regarde là, missing page. Et c'est tout, hein. Juste faire cette salle encore pour une charge de bouquin. Mais il y en a une salle encore derrière, donc. On va faire les deux, hein. Ah bah, petit cœur bleu. Formidable. Ah oui, puis j'ai un demi-cœur blanc aussi. C'est le truc Forgiven qui m'a filé ça. Ouais, pour deux coffres. Une clé pour deux coffres, quoi. Tu as quoi qui proc avec la luck pour en avoir besoin? Bah, je sais pas. Rien du tout. Rien du tout. Mais on aime bien la luck quand même. Vu que là, ça fait 2 heures qu'on n'a pas de luck sur le jeu. On aime bien avoir de la luck. Non, ça peut encore arriver. Hein. Il y a encore... on a skippé quoi? 2-3 item rooms? Et peut-être... Je dis bien peut-être une... un planétarium. Donc... On a tout fait, on n'a pas la super secret, mais oh, j'ai 13 bombes. Est-ce qu'on... Ouais, on va chercher la super secret vite fait. Parce que là, le build est bon pour The Beast, mais on n'a quand même pas des masses de DPS. Hein. Collier, je sais pas, ça a l'air d'être aléatoire, mais est-ce que c'est impacté par le luck? Je sais pas. Parce que le collier, en gros, en fait, c'est juste les larmes anarchiques, en fait. Ah si, j'ai le Bookworm. Bookworm est basé sur la luck. Bookworm est sur la luck. Donc non, c'est bien la luck, du coup. C'est le double shot Bookworm. Le collier en fait c'est juste le tears up et qui fait que les tears sont pas réguliers. Ok, trouvé. Et c'est de la merde. Littéralement. Au shop. Le coupon, bah il n'y aura plus rien à payer. Donc on va garder le bouquin. Je vais prendre rien du tout. J'ai le cœur bleu. Non, bah non. On a un cœur blanc. Donc c'est bon. Non. Pas le caca. Ça. Ok. Du coup, il nous reste un étage et après on remonte. Enfin, la run des enfers. Oui, 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 c'est ici, hein. J'avais pas laissé un truc devant la porte. Ah si, Magician, j'ai déjà récupéré. En vrai, je peux venir ici. Pour un cœur bleu. Ouh, Yera. Est-ce qu'une Yera peut nous être utile encore? Je sais pas si Yera nous est encore véritablement utile. Ah, voilà, c'est une Ewaze. Ah, Ewaze, ça peut être bien. Montrez-vous. C'est pas une porte, c'est pas une échelle. Ok. Je fais ça, fais ça. Sais-tu ce qui se passe si tu rouvres la salle de déblocage? Il y a un item qui donne un one-up qui peut popper. C'est rare. Et sinon, il y a des mendiants. Enfin, pas des mendiants, des cadavres. Je sais pas du tout, Sykes. Aucune idée. Jamais testé. Ok, ça commence super bien. On s'est déjà pris un hit. Est-ce
qu'évidemment, eux, les shields de tir, ça ne marche pas avec eux. The Empress. Ah, The Empress est peut-être meilleur. Moi, sur le boss de fin, The Empress est probablement meilleur. Parce que bon, les, tous les boss sont assez gros. Hein, et j'ai des grosses larmes aussi. Donc, Magician, pas certain. Ah, mais non, attendez, Magician, on avait vu le truc. L'arme infinie. Ah oui, mais on s'en fout. L'arme infinie, c'est intéressant quand on a l'Hump of Call. The Fool. Non. On s'en enlève pile. Aïe, what? Il m'a mis une roost. Oh putain, je me fais dépopper la gueule, hein. J'ai pas de dégâts. Ah, et je me prends le caillou. Ouais, je manque de dégâts sur le build, hein, très clairement. Mais bon, les item rooms, j'y crois. On a un Death Touch qui nous attend quelque part. Ou un Tech X. J'y crois. Une jambiste, mais moi, ma femme a pas de merci Sinoshi pour les 33 mois. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir et des bisous. Bonsoir. Halte au feu. Merci. Ils sont marrants, c'est con. Ils sont marrants. Allez, viens là. Merci. Tech-X, tu perds les shield tears. Je sais pas. Tu perds les shield tears sur les Tech-X. Ah, c'était une question. Je sais pas. Il me semble... Ouais, je sais pas, en vrai. Aucune idée. Aucune idée. Il y a moyen. Il y a clairement moyen. En tout cas, avant... Ouais, il y a moyen. Ah, attendez, il me faut quoi comme TP? Faut que je fasse quoi? Ça? Comment je vais là-bas, moi? Si, je sais comment je vais là-bas. Facile. Comme ça. Salut. Prends le combo sur le centre du cercle. Pas trop craqué non plus. Ah, d'accord. T'as les shields, mais au centre du cercle. D'accord. Merde, j'ai oublié de se ressortir, j'ai oublié d'attendre. Fuck. Tout ça pour une bombe en plus, hein. Que j'ai trop. Le masque, c'est non. Agalaz. J'attends le shop d'abord. D'abord le shop. Voilà. Mom's box. On peut avoir une meilleure trinket. Non, c'est nul. On achète ça. On achète ça. C'est tout. On achète ça. On a que des bonnes pilules. C'est ça. Ok. Et on achète ça. On met un peu de sous en banque. Pas trop parce qu'on peut avoir des mendiants encore en montant. Ok. Ouais, cette salle, si je vole pas, je pourrais pas l'avoir. Dommage. Secret ici, peut-être? Nice! Qu'est-ce qu'on a de beau ici dedans? Oh, du tears up encore. Je sais pas si je suis au max, hein. Mais dans le doute. Ah non, j'étais pas au max. Nice, on a gagné presque 1. Oh, le knockback. Le knockback qui est tellement efficace contre lui. Aïe.
J'étais bloqué. Merde, je me suis bloqué. Fuck. Allez, faut mourir là. Le dégât, il est où? Il est où le dégât? Oh, mais je vais en plein dedans. Ah, la troll bombe. Oh, piège, je la connais pas. Après, je crois qu'elle tire masse de larmes. Hein. On a affiné le tiers. Une bonne cadence. Les grosses larmes, donc c'est cool. Non, elle lance des bébés en fait. C'est pas une hélice en puissance elle en fait? On dirait une hélice en puissance en fait, elle contrôle des bébés. Elle lui ressemble en plus. Ah oui, elle me vole mes bébés aussi. Et ils nous volent notre travail. Mes bébés, rends-moi mon cul off me. Non, en vrai, je m'en fous. Tant que tu me laisses ma candle, ça me va. C'est bon. Ah ouais, du coup, quelqu'un m'a parlé de bomber le crâne. Forgotten Lullaby, Happy in the Basement. Ok. La berceuse perdue. Attendez, je vais aller voir ce que ça fait, ça. Ouh. Forgotten Lullaby. Ça augmente la cadence de tir de mes... Ah oui, oublié, pardon. Ça augmente la cadence de tir de mes familiers. Eh ben, je n'ai pas de familiers. Je suis chevalier errant. Je n'ai pas de famille. On va faire encore deux salles pour recharger. C'est quoi ça comme carte? Magician. Ok, je vais la garder pour l'utiliser dans la grande salle. Ah merde. Oh, je suis protégé. Ils sont protégés. Comment il est mort? Non, il est pas mort. Ah, parce qu'il y en a deux. Ah, mais quel enfer! On sort cet arc. Ok, merci. Ah, pas bon. Ah non! Putain, mais quel trou du cul je fais, je vous jure. Terrible, hein. Allez, je récupère ma carte et on se casse, j'en ai plein le cul. Ah oui, puis item room aussi, j'ai pas fait item room. Allez, item room d'une vie. C'est quoi ça? C'est les sports trucs, hein. Ah non, mais je suis con, l'item room, on l'a fait après. On l'a fait après le boss parce que... après la salle de boss. Parce que ça nous révèle l'objet caché. It's gone. Just get over it. You mean it's gone? How can you have spent our savings? Oh, la musique qui colle bien là. Par hasard, la musique colle bien pour le fight. Encore une impress. Ok, si on a une salle de merde, je peux l'utiliser. Mais on veut trouver l'item room d'abord. Et il faut bien qu'on pense à utiliser tout, à faire toutes les item rooms de tous les étages. Hein. Parce qu'on a laissé pas mal d'objets derrière. Aïe. Attendez, je vais aller vérifier ce que c'est celui de gauche déjà. Où est-il? Là. Ah oui, c'est les fungus, ouais, c'est ça. C'est pas mal. Et l'autre, c'est lequel déjà? C'est Taurus. Ouais, non, c'est chiant Taurus. Il est chiant Taurus. Du coup, on prend ça. Donc là, en gros, en fait, on a masse de luck. On peut tirer des spores champignons qui se collent aux ennemis. Et qui, quand ils explosent, empoisonnent lui et retirent d'autres. Ah, je suis maudit. C'est bon. Retire des nouveaux fungus qui vont se coller sur d'autres ennemis. Alors là, on en a eu zéro, mais... Luck up, yes. Encore plus de luck. 6 de luck, combien? Ok, 6 de luck. C'est Taurus, le cercle. Attendez, il manque des cœurs. On va bomber ça, on a des bombes en trop. Et du coup, cet étage, c'est bon. Étage suivant.
Alors elles ont pas la forme hein, les larmes du coup. Elles ont pas les formes spéciales mais on voit quand elles se collent. Voilà, là il y en a beaucoup de ah merde. J'oublie ce machin. Ouais, on fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Hein. On fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Super, ça c'est les shops gratuits. Le prochain shop est gratuit. Le prochain achat est gratuit. Ok, ici, t'es même pas besoin. Allez, donnez-moi que des salles comme celle-là, s'il vous plaît. Que des salles comme celle-là. Même si elle est chiante, que des salles comme ça, elle est facile. Du coup, on a eu l'item room. C'était à quel étage qu'on avait le truc, le planétarium, Cave 1 ou Cave 2, hein, quelque chose comme ça. Allez, 6 de luck, 6 de luck, vends-moi du rêve. Yes, cœur bleu. Allez, je mets tout dedans. Hein. Est-ce qu'on veut la tick? En vrai, j'ai pas le choix. J'avais quoi comme trinket? La missing page? Ouais, tick on prend du coup. Tick je prends. Ça, on utilise, ça donne le mapping. Ça donne un cœur bleu également. On a trop de cœurs bleus. Après, c'est pro... Oh, on a une Soul of Azazel aussi. Soul of Azazel ou The Empress. Je pense que... Pardon. Je pense que Empress est mieux parce que l'objectif, c'est de faire... d'utiliser sur les boss de fin, qui est un long combat. Donc je pense qu'en presse c'est mieux. Mais on va utiliser la Soul of Azazel, ici. Merde, j'arrive à me prendre du dégât. C'est pas grave, on a un câble qui traîne. Pilule, pousse-toi le chat, je vois pas. Luck up, encore. Allez, 7 de luck. Bombs Arkies, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai laissé là? Le cadenas, ok. 7 de luck. On reprend ça et on reprend Empress et mon Book of Revelations qui est full chargé. La Crystal Ball, elle peut nous dropper des cœurs bleus, mais elle peut nous dropper des cartes aussi. Dans le doute, on va préférer assurer les cœurs bleus. La carte, on a déjà ce qu'on veut. Non mais arrêtez, laissez-vous faire. Merci. TP Devil Deal? Non. Ok, ici ça a été fait. C'est la dernière, ouais, ouais. C'est la dernière. Bronze Arkies, on s'en fout. Et Pheromones, on s'en fout. On va full clear quand même. Ouais, c'est la dernière, le jeu il m'a vraiment chié dessus aujourd'hui. Et je commence à avoir méga faim, la fatigue et tout. On est à combien? 7 heures de stream quand même, hein? 7 heures quand même. Demain je rappelle si jamais le stream risque de commencer plus tard parce que je me suis commandé une nouvelle caméra et un Go XLR. Je sais pas à quelle heure vont arriver les colis. Normalement ils arrivent demain, mais merde. Normalement ils arrivent demain. Mais du coup, le temps de tout setup, je verrai à quelle heure je prends le stream demain. Encore une bombe Arkies, c'est sérieux? Que des bonnes pilules et il me donne que des bombes Arkies. Incroyable. Ah mais oui, ah oh, les bombes qui collent, ça empêche ces machins de tirer. Excellent. Item room, rien du tout. C'est quoi le planétarium? C'est une salle spéciale, une item room spéciale. Qui a des très peu de chances de pouper. De base c'est 1% de chance de pouper par étage. Et après, il faut skipper des item rooms pour avoir des, pour augmenter les chances. À chaque item room skippé, donc quand je dis skipper, c'est même pas l'ouvrir, hein, même pas regarder ce qu'il y a dedans. À chaque item room skippé, tu as 20% de chance de plus qu'elle pop à l'étage suivant. Et le problème, c'est qu'on en a une qui a popé, mais j'avais pas de clé. Et c'est chiant. Justifié Orion ou pas? La demande de Deban. Il donne une raison. Est-ce que le ban était justifié aussi?
Du coup, je sais pas si ici en remontant, vu qu'on a dû en skipper une. Merde! Vu qu'on a dû en skipper une, je sais pas si en remontant elle va rester. Les items où me restent. Les planétariums, je ne sais pas. Un mec qui a fait de la pub pour un streamer et nous dit que c'est son petit frère qui lui a pris son compte. Ah! La belle excuse. Et bah, il continuera de plaindre son petit frère dans son coin. Hein. Et ça, on s'en fout. Bah, en fait, c'est l'excuse ultime sur Twitch. L'excuse des devoirs, c'est mon chien a mangé mon devoir. L'excuse sur Twitch, c'est mon petit frère a pris le clavier. Y'a quoi dans Planétarium? C'est une pool d'items spéciale. Avec des items très forts. Pour le moment, on en a eu 4 des items. On a eu Saturne, qui nous donnait un cercle de larmes autour de nous en permanence. On a eu Mars, qui était nul. C'est le seul qui était vraiment nul. Mars, qui nous donnait un dash. On a eu Pluton qui nous rendait tout petit mini rikiki minuscule. Trop cool. Pluton, c'était vraiment bien. Et on a eu Uranus. On a eu Uranus qui nous a faisait des larmes de glace. Trop cool. Anarchy Cookbook. Bon, on est déjà beaucoup warm. Donc ça, c'est pas grave qu'on l'ait skippé. Mon chien a pris mon clavier. Non, Moon, on l'a pas eu, Archive. Moon, on l'a pas eu. Moon, je ne sais toujours pas ce qu'elle fait. Devil ou Impress? Impress donne de la vitesse, hein. Regardez Impress. Notez un truc sur le canapé. Je me lève prendre un truc à boire. Je reviens et là, page à moitié dévorée dans la gueule. Dans sa gueule. Attends, ton chien a vraiment piqué ton devoir un jour? Bah, super. Tu dois être, tu dois faire partie du 1% pour qui cette excuse est réelle. Demande à ton petit frère, Rolbram. Tu vois, Orion, si le mec... C'était il y a combien de temps que le mec il a fait de la pub pour son, pour le streamer? Et il y a combien de temps qu'il s'est fait ban? Si le mec était venu en mode... Bon, pas si c'était hier, hein, mais... Si le mec, ça s'était passé il y a genre... un mois, six mois ou plus. Le mec était venu en mode... je suis désolé, je sais. C'était le 8/4/2021. Ah ouais, non. J'ai même pas vu son message, d'accord. Ouais, donc non, non, laisse le ban. Mais si le... Dans tous les cas, laisse le ban, vu l'excuse. Mais si le mec était juste venu en mode... Je suis désolé, je m'excuse, c'était une connerie, je le sais, et je le ferai plus. Là, là, ça méritait le déban. Mais le mec qui vient de me faire une demande de déban une semaine après avoir fait sa pub, en mode... ah ouais, mais c'est pas moi, c'est mon frère, il a piqué mon clavier, Bon, c'est dead. Ce mec, il avoue sa faute. Merde, ce mec avoue sa faute. Il se rend compte qu'il a fait une connerie et qu'il apprend. Je suis pour le pardon, perso. Hein. On va faire le full clear. On est où d'ailleurs? Cave 1. Ah, je pense que c'était à Cave hein, qu'on a eu le planétarium qui a popé. C'est soit à Cave, soit Basement 2. Donc je pense pas qu'on va l'avoir la remontée, malheureusement. Ah oui, il y a une batterie, putain, je suis con. Mais oui, il y a une batterie, j'ai même pas dit. C'est une petite, ok. Oh, je one shot même pas toutes les mouches. Il y a des mouches que je one shot pas. Ah, j'ai vraiment un build éclaté. Hein. Non, mais le chat. Oui, le chat. Je suis à toi dans une demi-heure. Euh,
Ok, ça aussi c'est pas grave de l'avoir skippé, hein. Mais du coup, ouais, je comprends pas la différence entre Free Lemonade et Lemon Party. Non, Lemon Party c'est la... C'est la... Ah, la pilule, mais pas l'autre du coup, je sais plus comment elle s'appelle. L'activable citron. C'est quoi la différence entre les deux? Il y en a pas, on est d'accord, s'ils font exactement le même effet. Pourquoi avoir ajouté ce truc là? La X-Lax, elle fait de la diarrhée. Ah, mais ça, c'est pas grave, tu vois. C'est une pilule. Donc, des pilules qui servent à rien, c'est comme le iPhone Pill, ça ne sert à rien. Mais là, c'est vraiment un activable, un item en plus qu'ils ont rajouté qui fait exactement la même chose, en fait. X-Lax, c'est juste une diarrhée au sol qui te fait glisser, en fait. Mais c'est une pilule, donc c'est commun. Non, non, en gros, quand il y a un planétarium qui pop, il y a également une item room, hein. Il y a les deux. Donc c'est pas parce qu'on a eu une item room là que celle-ci était le planétarium. Oh yes, j'ai masse pognon. Qu'est-ce que tu peux me filer de bien, toi? HP up, je m'en branle. Qu'est-ce que tu peux me mettre de bien? Vas-y, je suis masse thune. Moins de charge, les bonnes mi-shape. Ouais, mais bon, ça fait la même chose, quoi. Ah, joli, ça, c'est pas mal. Je connais pas cette feature. On faut le clé encore cet âge, hein, voir s'il n'y a pas le planétarium, mais je pense qu'il n'y a pas hip-hop. Je pense qu'il a disparu dans les méandres de la descente. Vous voyez le... Oh non. Ah non, il y a encore des salles. Avec les armes que j'ai là, avoir Saturne, ça aurait été uber fort. Hein. Ça veut dire qu'on a un bouclier, on peut pas se faire toucher. Tant que, en fait, on a un bouclier partout autour de nous. Ouais, et Planétarium, des pop à la remontée, malheureusement. Pas besoin du HP up, donc cassos. Parce que du coup, c'est forcément pas à cet étage. Hein. Et ici, par contre, on allait skipper l'item room aussi, donc on va aller la faire. Le bouquin est chargé, idéalement, on se fait pas toucher sur cet étage. Ah bah, cœur bleu, excellent. Allez, le Death Touch. Le Death Touch dans l'item room. Le Death Touch. Ou le Tech X. Death Touch, Tech X, on prend. Death Touch, Tech X. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien sinon? La graffeuse pour du dégât. Là, on veut du dégât. On a vraiment besoin de dégâts. Il me semblait que tu avais ouvert un planétarium et à la remontée on l'avait vu. Non, non, non. Il me semble pas. Hein. Il me semble pas. Tu peux me filer un truc bien toi ou pas? Est-ce qu'il peut nous donner un truc bien lui? Bon, bah, résultat. Non. C'est non. Petite TP Devil Deal into... Into quoi? Magic Mush. Non. Merde. Est-ce qu'on peut avoir des TP Devil Deal random hein, sur ces étages? Il y a un cahier marqué. Ah, petit Small Rock. Petit Small Rock. Non. Cricket's Body aurait été bien dans un coffre aussi. Hein. Cricket's Head ne peut plus, mais Cricket's Body peut encore. Et ce truc-là permet d'augmenter de 9% les chances d'avoir une planétarium, un planétarium, et d'avoir des planétariums dans le womb. Dans le womb, c'est pas possible de base, mais lui, il permet.
pas d'item room. Chaos card. Je l'ai pas débloqué, je crois, la chaos card. Je l'ai pas encore. C'est pas grave, il y a des cœurs qui traînent. Et on avait... Ah non, on l'avait fait. Abasement 1, on l'avait fait. Ah mais non, mais je suis con, Abasement 1, elle est forcément ouverte. Donc forcément, on l'avait fait. Ok, bah écoutez, c'est parti pour le boss, hein. Let's go. Tu perds les shield tears. Bah quelqu'un a dit que non, apparemment c'est la croix du centre qui est shieldée. Allez, Cricket Buddy ici dedans. Explosion de saveur. Cricket Buddy ici dedans. Non. Je me sens trollé. Et on a 8 de cadence de tir, c'est énorme. Ah oui, on a que des bonnes pilules. Et transformation mother. Largeur, non. Pheromones, on s'en fout. Pheromones, on s'en fout. Health up. Ouais, pas non. Rien, rien. Allez, c'est parti pour Dogma. Dogma, let's go. On n'utilise pas la carte sur Dogma. On l'utilisera sur le boss de fin. Dogma devrait bien se passer en théorie. Je vais vous mettre la musique aussi de nouveau. Dogma, je dis, devrait bien se passer, hein. Ah ouais, bon, ça commence bien. Allez, bouquin tout de suite. Ah non, mais ta mère, putain. C'est moi, elle était ultra rapide, ça brime. Mais qu'est-ce qu'il fait avec Sabrine? Pourquoi elle est aussi rapide? Bon, je vois un truc, non? Ok, P1 c'est fait. On a pris une petite roost, hein, quand même. C'est bien, je bouge pas. Ça me va. Ouais, étonnamment le DPS il va bien hein. Et en plus ça les larmes collantes là ça l'empêche de lancer sa merde. Ok ouais, shield of tears collante c'est vraiment broken hein. Shield of tears collante c'est broken. Aïe. Dogma chill. Dogma chill. Et du coup let's go. Je skip la cinématique hein. Let's go Empress. Et on bourre par là, et normalement en fait ça doit... Ah ouais non, pas du tout. Oh par contre la quantité qu'il en a de coller sur la gueule. Merde. Ok, on a perdu la jolie mantelle déjà. J'ai un peu de peine à le toucher là, mais au moins lui ne me touche pas non plus. Ah oui, il peut pas cracher ses flammes non plus. Ah non, c'est beaucoup trop fort hein, les shields de tir scolantes. C'est beaucoup trop fort les shields de tir scolantes. Et de 1. Et de 1. Allez, mange-moi tout ça dans ta gueule là. Et je dois pouvoir lui péter sa... Oui, ok, je lui pète aussi sa grosse larme là. Ouais, je lui pète sa grosse larme, du coup il me fait aucune attaque. C'est trop fort. Merde, je l'ai raté. Oh non. Merde. Merde, je suis dans le poison. Aïe, merde. Et 2. On a pris un petit peu à sauce là, hein. 2-8, c'est dommage. Puberté, non. Et c'est mon coffre qui m'a droppé la pilule. Ah, je peux pas la péter celle-là par contre. De l'arme. C'est parce que ce n'est pas une larme. Merde. Aïe oh. Aïe oh. Aïe oh. Aïe oh. Aïe oh. Aïe oh. Je sais pas si je peux les péter. Ouais, oui, je peux défoncer celle-là, ok. Je peux les empêcher de monter, excellent. Fini. Ah, je peux vous laisser la cinématique après celle-ci, ouais. Ok, P1, c'est passé. Non, dans le feu, dans le feu, dans le feu. Ah oh, non, j'ai éteint ma flamme.
Non, c'est pas grave, en fait, on s'en fout, ça change rien. Elle était déjà éteinte, ou elle était à 1. Ouais, on le voit, hein, qu'on manque de DPS quand même. 5 heures, c'est short, hein. Mais quoi, je vais en avoir un de plus là. Petite carte, c'est quoi? Strength. Oh oui, un quart de plus, c'est du dégât. Je sais pas si je peux y péter les faux. Non, je peux pas péter les faux. Bon, ça m'a coûté un cœur de tester, mais je le saurai. C'est bon. C'est passé. Et du coup, la phase la plus facile de la bête. Je voulais voir s'il pouvait éteindre le feu, je peux, mais il y en a beaucoup trop. J'ai pas des larmes assez grosses pour que ça marche. Ok, phase 1. Ah non, merde. Si, t'as la con ça. Oh, c'est bon, c'est gagné, hein. Et il fait plus rien. Là il fait plus rien, c'est juste de l'esquive. Si on esquive tous les picots, c'est réglé. Fini. Facile. Then suddenly, the sky above cracked open, and a white beam of light reached down into the earth, smiting the mother of harlots asunder, and setting the blood lake to a boil. As the beast descended down into the lake of fire, Isaac ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. Ah, he saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping, and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had that kept him up at night, and the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights, and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body, his shame, his worry, pulled from his being. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay, so... Isaac and his parents lived in a small house. Voilà, au revoir YouTube. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Moi, ça m'a fait du bien de finir une run, enfin. Hein. Salut YouTube.